Yo les gars, spam kill, j'espère que tout le monde va bien, moi ça super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'épisode 21 des réactions aux pires cheaters. On a passé les 5000 likes sur la précédente vidéo. Ça a été beaucoup demandé les gars, le retour des réactions aux pires cheaters en commentaire sur Twitch. D'ailleurs venez me voir en live sur Twitch tous les jours sur Warzone, sauf en ce moment, plus de connexion, merci SFR. Bref, aujourd'hui les gars, on va demander 3500 likes pour la partie du coup 22 des réactions aux pires cheaters. Pour ceux qui découvrent le concept du coup en cours de route, je vais réexpliquer le concept qui est très très simple. Vous m'avez envoyé des clips sur ma boîte mail d'ailleurs qui est toujours en description, wz.punkill@gmail.com. Envoyez-moi des clips de cheaters. En ce moment, il y en a très peu sur Caldera, donc tant mieux. Et donc bref, les clips m'ont été envoyés sur ma boîte mail. Donc c'est des clips que je n'ai pas encore visionnés. J'ai pas encore choisi lesquels je mettrai dans la vidéo. Et si jamais je visionne des clips de ton youtubeur ou ton streamer préféré, sache que j'ai rien contre eux. C'est juste des gens qui veulent du coup voir mon avis par rapport à ces clips. Et comme je le dis à chaque fois, dans 99% des cas, généralement il y a rien, il y a toujours une explication. Bref, maintenant que le concept est expliqué, on passe directement au premier clip. Alors pour le premier clip les gars, la classique, on va se voir du coup un mec, un français qui cheat en live sur TikTok. Bon, le mec se cache pas, c'est vrai que c'était souvent demandé de voir du coup des vrais cheats parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu. Donc un vrai cheat, ça ressemble à ça. Bon, le mec filme sur TikTok, la vidéo est dégueulasse, je sais, mais ça ressemble un petit peu près à ça. On voit le corps de la personne en vert, on voit les mecs un peu partout. Dès que la personne est visible sur l'écran, le corps passe en rouge. Après là j'ai pas vu le clip, je sais pas encore si le mec il a la même botte ou pas. J'ai l'impression que le mec voit le pseudo et l'arme des adversaires à chaque fois. Bon, malheureusement le clip est très rapide, il y a très peu de matière. Je suppose que le mec a un aimbot, hein. S'il s'en cache pas le mec, bien évidemment, je pense qu'il a la totale. N'hésitez pas à le signaler, hein, pour les plus vaillants. Krez Sad sur TikTok, n'hésitez pas à le signaler. Le mec triche clairement. Je suppose de toute façon que le compte du mec a déjà été ban, parce que bien évidemment, ça fait déjà quelques mois. Donc logiquement, il est ban, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent. Mais les gars, dès que vous voyez un mec qui triche comme ça en live sur Twitch ou TikTok, même Facebook, n'hésitez pas à le signaler instant. Normalement, si la plateforme fait bien son travail, le mec sera ban systématiquement. Alors là les gars, je suis choqué, je l'avais pas vu le mail depuis le 28 novembre, une révélation de ouf fait sur un mec de la Apex Clan. Je suis choqué, je vois ça en même temps que vous. Bonjour Punkill, tout le monde sait que tu fais partie des piliers de l'équipe de streamers de la Apex Clan. Votre niveau n'est plus approuvé et votre notoriété n'est plus à faire, vous faites un travail extraordinaire. D'autant que vous devez faire face à des scandales comme celui d'Apex Platinum, souvenez-vous, c'était le mec qui avait triché notre team qu'on avait viré. C'est pourquoi vous devez redoubler d'efforts pour proposer un bon contenu et prouver qu'aucun de vous triche ni ne ment. Ce n'est pas pour rien si j'ai écrit ce dernier mot en majuscule, c'est bien parce que j'ai découvert une information qui risque de faire un grand tremblement de terre dans l'univers du streaming Warzone français. Putain, je suis choqué. En effet, j'ai découvert que l'un de tes partenaires, voire probablement ami, cache à tout le monde sa vie réelle et sa véritable identité. Pour faire bref, j'ai découvert les dessous de la carrière de Kigunin. Donc les gars, vous allez être choqués pour de vrai, franchement c'est abusé. La preuve avec la photo ci-jointe, visage caché en haut. J'espère que tu pourras le dénoncer en public pour qu'il assume enfin devant tout le monde sa page cachée. Cordialement, une personne en quête de vérité. Les gars, je vais vous montrer la photo. Âme sensible les gars, s'abstenir. Franchement, je suis choqué. Les gars, depuis le début, Antonin les gars, c'était Kigunin en fait, avant son glow. C'était Kigunin, depuis le début les gars. Putain, je suis choqué sa mère. Bon les gars, trêve de plaisanterie, on s'attaque au cas numéro 3, cette fois on est là pour du sérieux. On est de retour sur la plateforme préférée des cheaters, à savoir Facebook. D'ailleurs je me suis fait un Facebook récemment les gars, j'ai pour objectif de dépasser Mr Pixel dessus. Bon pour le moment j'en suis encore très très loin, mais si jamais je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, on fait des vidéos exclusives sur Facebook, 20 vidéos exclusives par mois, bref. Après cette auto-promo, on attaque du coup le cas numéro 3. Alors, on m'a envoyé un mail d'un mec, donc je connais pas, on m'a envoyé un mail sans rien dire. Donc j'ai cliqué dessus pour voir, et le mec met des trucs quand même plutôt bons, comme peut le voir. Il est plutôt bon, efficace et rapide, j'aime beaucoup. Et tout le monde bien évidemment, bon, après c'est un peu commun sur Facebook, hein. D'ailleurs moi aussi c'est commun sur ma page Facebook. Est-ce que ça vous tente les gars une vidéo où je réponds, où je lis des commentaires en feat avec un autre youtubeur sur Facebook? Parce que franchement il y a des pépites les mecs, c'est vraiment, c'est à se péter le bide, c'est un truc de ouf. Les mecs sont ravagés sur Facebook. Bref, on est là pour savoir si ça va être la triche ou pas. C'est ce que tout le monde dit en commentaire. Moi perso, du peu que je vois un très bon joueur. Le mec maîtrise sa sensi à la perfection, clavier souris, des beaux clips. Franchement c'est joli, c'est joli. Là juste, on peut s'interroger comment est-ce que la balle touche. On peut s'interroger vite fait, mais franchement, bon ça c'est un kill, c'est un peu de la chance, hein. Il pré-shoot un petit peu devant et ça touche. Et je pense qu'il devait avoir du ping, parce qu'il n'affiche pas son ping. D'ailleurs le mec joue avec 60 FPS, hein, ça rend pas beaucoup. Il devait avoir un peu de ping, donc ça met peut-être un peu de latence. Couteau de lancer, très beau. Ça c'est le genre de clip les gars, au couteau de lancer, quand tu triches, ça, je dis pas que c'est compliqué à faire, mais ça rentre pas naturellement. Ouais, il doit avoir beaucoup de ping, parce que ça connecte pas beaucoup, hein. Le mec met des beaux flics, pas tout le temps à la perfection, mais normal, j'ai envie de te dire. Le mec, franchement, pour moi, le mec est bouillon. Pour moi, le mec est bouillon, il triche pas du tout, mais il se fait accabler de fou sur Facebook. Flic rapide,
Ça, les gars, sur manette, à la manette, c'est pas possible de le faire ce qu'il vient de faire, mais au clavier souris, franchement, n'importe quel mec a une. Enfin, même pas une sensi élevée, hein. Juste un mec qui a un grand espace de tapis de souris qui gère sa sensi, il fait pareil. Ce qu'il faut savoir également en résu, hein, je pense que tout le monde le sait, mais je le dis quand même. Quand tu butes un mec, tu sais exactement. Ah, elle est belle la balle, hein. Tu sais exactement où sont ses teammates. Franchement, le mec, ça se voit, il est bouillant. Oh, ça c'est mignon. Ça, je comprends qu'on puisse l'accuser de triche parce qu'il fait un réajustement flic en tirant. Faudrait mettre le 0,25, mais ouais, elle est pas mal. Bon réajustement, j'aime bien. Pour moi, le mec triche pas. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, mais pour moi, le mec ne triche pas. Le mec a des bons mouvements, que ce soit des cancel slides. Le mec est rapide, tout ce que tu veux. Oh, le couteau. Ouais, le couteau. Ah, ça doit que le mec il joue bien. Hein. Quand le mec il tire sa balle, il fait un petit 180 en 360, donc ça doit qu'il a bien la sensi. MG82, elle a pas trop de recul hein, quand tu contrôles, on voit qu'elle a quand même eu du recul chez lui, donc il a pas de recoil. Ah, pas mal le couteau. Franchement, pour moi, c'est un bon joueur. On va pas tout regarder, les gars, parce que c'est quand même assez long. Mais pour moi, c'est un bon joueur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, le mec est bouillant. J'aime beaucoup. C'est un bon joueur clavier souris. La preuve que ça lui arrive de louper des balles. Pour moi, le mec est full legit, les gars. Bon, pour le cas numéro 4, on est de retour sur TikTok. J'ai dit que Facebook, c'était la plateforme préférée des cheaters. Je crois qu'on est sur un gros dossier, les gars. Là, on est sur un mec, 46 000 abonnés. Il a des vidéos à 1 million de vues sur TikTok. Donc, je pense que TikTok, c'est la nouvelle plateforme du cheat. Hein. J'ai pas l'impression qu'il modère beaucoup parce que là, 1,9 million de vues. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant de regarder comment est fait le logiciel de triche. C'est qu'il est pas du tout pareil que le premier que je vous ai montré. Ça prouve bien qu'il y en a beaucoup de différents. Là, c'est tout simplement des classiques, hein, des carrés rouges. Le mec a un silent aim, il tire en noscope, il y a tout qui rentre. Je pense que c'est le le plus abusé que j'ai vu, hein. On va regarder plusieurs clips, mais franchement, c'est abusé. Là, il a tout, les gars. No recall, voilà. Mbot, il a tout. Là, il n'y a pas de radar, mais bon, visiblement, il n'a pas besoin. Peut-être que le radar est dissimulé sur la TH, parce que là, il y a que lui. Là, c'est abusé, les gars. Oh, mais franchement, là, c'est abusé, hein. C'est abusé. Je pense que c'est le clip de triche le plus abusé que j'ai vu sur le jeu, hein. Après, c'est au pré-lobby, donc c'est un peu normal, mais franchement, c'est n'importe quoi, les gars. Regardez-moi ça. Oh mon dieu. Oh. Et ça, les gars, ce TikTok, ça fait des millions de vues. Le compte du mec, c'est Art the Camper. Si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas comme d'hab les gars à signaler, c'est important. Parce que là, waouh là là, c'est n'importe quoi. Hein. Par contre, c'est bizarre, c'est qu'il fait ça qu'au pré-lobby. Est-ce qu'il a un clip où il est in-game? Ah là, il est. Oh là là. Dites-vous là les gars, ça je l'avais presque jamais vu. Là, il a un cheat pour avoir son FOV plus grand que la normale. Parce que normalement, c'est 120 le maximum que ça permet dans le jeu. Là, il a plus, il doit avoir 200. Là. Carrément, le mec est en hélico et tout, c'est PKM 200 balles. Oh là là, c'est une dinguerie, les gars. Le mec fait des bits et tout, il répond aux commentaires. Oh là 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 là. Quel enfer, les gars. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait cauchemarder la nuit. Y a pas d'autre mot. Franchement, en plus, ça, c'est le genre de truc, comme c'est entre guillemets fun. Parce que là, t'as vu, il est en hélico avec une SMG, enfin une LMG, pardon. Y a des mecs qui peuvent trouver ça fun, ils vont avoir envie de faire pareil. Et ça fait tellement des millions de vues, enfin des milliers de vues, pardon. Mais ça donne, c'est sûr que ça donne envie au mec, hein. C'est obligé que ça donne envie au gars. C'est abusé, les gars. Est-ce qu'il a continué? Ça, c'est sur Vanguard. Donc, comme quoi, c'est vraiment de la merde, ça fonctionne pas du tout. Et là, la TH est différent. Là, on peut voir, on voit le petit bonhomme à travers, on voit pas le petit carré rouge. Je pense que c'est le nombre de mètres qui sépare l'ennemi, parce qu'on voit un petit 9, on voit un petit 12. Ouais, ça va être ça, c'est le nombre de mètres. Pareil, le nom du mec en face. On est sur des trucs assez classiques, hein. C'est juste abusé. Franchement, dites-moi en commentaire, mais je pense que ça, c'est le clip le plus abusé que j'ai vu, hein. Bon les gars, pour le cas numéro 5, on est vraiment sur un clip expéditif, ça dure 10 secondes. On m'a envoyé le clip, le clip qu'on va visionner, les gars, il a 10 vues, hein, donc pas de secret, le mec qui a fait le clip, c'est lui qui me l'a envoyé. Mbot enable, il est sur MW contre des bots, ça dure 10 secondes, c'est pas pour rien, c'est que le mec s'entraîne à faire ça. Moi aussi, ça m'arrive de m'entraîner à faire ça. Honnêtement, c'est pas bien compliqué quand tu gères ta sensi à la perfection. Ceci dit, quand même, le flic qui vient de mettre, c'est quand même assez compliqué parce que là, les flics sont parfaits. Hein. Mais honnêtement, tu fais ça toute une journée. C'est sûr que tu vas rentrer au moins un clip, si ce n'est même des dizaines, où tu vas avoir des flics parfaits. Là, il en fait deux parfaits. Un troisième parfait, quatrième parfait. Celui-là était vraiment beau. Voilà, clip facile. Au final, là, il a fait deux flics, trois flics parfaits. À la suite, il n'y a rien de très surprenant. Même si c'est quand même assez beau à visionner. Et ça, c'est le genre de mec. Ce clip-là, tu le mets sur TikTok, tu le mets sur Facebook, tu le mets comme lui, il a mis la aimbot enable. Tout le monde va croire que tu triches, alors que clairement, c'est un mec qui est chaud au jeu. Il doit avoir 400 DPI et une sensi qui gère parfaitement. Et honnêtement, c'est pas bien compliqué quand on s'entraîne tous les jours à faire ce genre de truc. Mais ceci dit, le clip reste beau. Mais pour moi, il ne triche absolument pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est clair net que c'est un bon joueur qui veut se faire passer pour un cheater pour passer dans la vidéo, mais moi on me la fait pas.
Là les gars, pour le cas numéro 6, grande première, on a fait une vidéo juste pour moi où le mec du coup montre le clip qu'il a trouvé bizarre sur un best of Warzone. Donc on va checker ça ensemble, je l'ai pas vu, en tout cas c'est juste pour moi, ça fait plaisir. Si jamais il y en a qui veulent prendre l'initiative de le faire, pourquoi pas, franchement c'est pas mal. J'aime beaucoup, on va checker ça ensemble. Dans un best of FR, donc c'est un petit streamer québécois qui fait 50 viewers par stream à peu près, j'ai regardé un petit peu ses rediffs, même si elles sont en ce moment. Un québécois déjà, il peut pas tricher les gars, ils sont trop gentils les québécois, c'est pas possible. Quoique, on avait exposé un québécois il y a déjà quelques temps. Donc du coup voilà, je vais te le montrer en vitesse réelle et après je te le montrerai en ralenti. Donc ça c'est ses stats. Le mec voilà, on peut voir à niveau 1000, 2322 heures jouées. Donc, je pense que le mec est plutôt boudant. 3,17 de ratio, 2322 heures jouées les gars. C'est vraiment, c'est assez colossal. Un SPM de 464, ce qui est très élevé. Donc ça c'est son clip. Donc la première fois que j'ai vu, je me suis dit pour moi c'est carré. J'étais pas dessus au début, voilà. Pour moi c'est carré, je sais pas, en voyant ça. C'est qui me fait défaut. Donc du coup, j'ai décidé justement de re-regarder le clip en 0,1. D'ailleurs, si tu veux voir les clips en 0,1, je te conseille cette extension là. Voilà. Je connaissais pas. Lourd. Après, faut savoir un truc avant de visionner le clip, c'est que les gars, quand tu stream, il manque des images. Donc déjà parfois ça peut, tu peux penser que le mec triche parce qu'il va loquer à tel endroit, mais il va manquer des images sur le Rex, surtout que généralement c'est des rediffs de stream, etc. Donc déjà rien que ça, ça peut jouer. On va voir vite fait. Donc là, on voit que l'ennemi lui tire dessus, donc le viseur remonte, ce qui est logique. Et puis il y a le tressaillement, donc là, ouais, donc ça remonte, c'est sûr. Et là, il lui a tiré dessus. Bon, quelques millisecondes. Avant, c'est vrai que là, on voit qu'il est clairement pas dessus quand il tire. Il est clairement pas dessus, mais franchement, plus rien ne m'étonne. Hein. C'est Warzone, il y a du bloom sur le jeu. C'est un truc rapide. Il y a du flinch, il y a du bloom. Le flinch, que j'appelle le flinch, c'est le tressaillement quand tu te fais tirer dessus avec le snipe. Et le bloom, c'est le fait de. Tu tires sur l'ennemi, mais ta balle, elle va pas vraiment sur l'ennemi. Donc ça, ça peut jouer après au snipe. Vraiment, il y en a pas, mais ça peut jouer. Mais c'est vrai que là on peut voir qu'il est totalement pas dessus. Ce hit marker, il est totalement pas dessus. Là, franchement, c'est abusé. Il est totalement pas dessus. Et franchement, les gars, moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps sur Warzone, peut-être même plus que les 2322 heures du gars. Et des trucs comme ça, franchement, ça arrive tous les jours. Plus aux autres qu'à moi, j'ai l'impression, quand je vois les killcams, mais les killcams sont buggés aussi, donc ça faut le prendre en compte. Mais moi, ça m'étonne pas plus que ça. Faudrait voir beaucoup de clips de ce mec-là pour avoir un avis. En tout cas, la vidéo était bien cool. On voit que le mec est clairement pas dessus, mais il a un putain de réflexe. Ça se joue en 2 secondes. Et comme je l'ai dit, avec le flinch plus le bloom, ça peut jouer également. Après, c'est clair, sur le clip, là, il est tellement pas dessus, c'est abusé. Mais honnêtement, les gars, Warzone, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Des clips comme ça arrive tous les jours. Donc moi, je pense pas qu'il triche. Après, je le connais pas du tout, j'ai même pas été voir un de ses gameplays, donc franchement je pense pas du tout. Et faudrait voir plein de clips pour savoir, mais moi je pense plus que c'est même pas les serveurs, hein. Franchement c'est même pas les serveurs, c'est tout simplement c'est le jeu les gars, le jeu il est éclaté, c'est comme ça depuis 2 ans, donc je pense que c'est plus ça pour moi. Bon, pour le cas numéro 7, on a 2 clips. Alors les clips, bon, ils sont de très mauvaise qualité, ça va nous rappeler les premiers clips que je recevais à l'époque, mais je le trouve intéressant parce que c'est tout simplement, c'est juste une killcam. Donc les killcams, on sait, elles sont buggées, faut pas trop s'y fier, etc. Mais dans celle-là, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants, du coup je voudrais vous montrer. Donc la vidéo, on peut voir, c'est en reverse island, il filme sa télé, donc ouais, la qualité est un peu dégueulasse, ok, je sais, mais ça reste intéressant, regardez. Un truc qu'on a pas trop retrouvé dans l'épisode, donc là il se fait tuer par un mec, il se fait tuer en 2 secondes, hein, clairement. Ce qu'on peut voir, c'est que là l'ennemi, en fait il regarde en l'air, puis crois-moi, enfin franchement quand t'es en reverse island, tu regardes pas au milieu du mur ici. Hein. Mais tu vois, il recule un petit peu, et en fait il te regarde à travers le mur, entre guillemets en biais. Et encore là, limite, franchement il est même pas en biais là, il est en plein milieu de l'écran. C'est des petits trucs sur des killcams qui paraissent inaperçus, mais là, avant même d'avoir vu l'ennemi tirer, je peux être quasiment sûr que le mec triche en voyant ça. Ou du moins je vais me poser la question, et là regarde, j'ai fait pause au bon endroit, ton perso il est descendu comme ça, le curseur du mec s'arrête pile sur ta tête. Et là franchement c'est pas de la chance, après ce qu'on vient de voir juste avant, il te regarde au plafond. Voilà, et là, hop, full aim, il t'explose la gueule, ton personnage tombe au sol et ça reste fixé sur la tête. Même si c'est une killcam, franchement ça se voit direct que le mec il triche. En plus niveau 36, bon après ça peut rien dire ça, mais c'est un truc de plus qui te met le doute. Clairement pour moi c'est sûr qu'il triche. Et donc là le deuxième clip, je l'ai pas visionné celui-là encore, mais je suppose que c'est contre le même mec. Donc là c'est le mec de gauche qui te tue, toujours le même. Aim de ouf à la kilo, de super loin avec ton pote. Et il t'a regardé direct avant que, bah, vraiment grillé le mec, hein. Il t'a regardé directement avant que tu dépasses ton arme du mur. Et pareil, hein, le mec a aimbot. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, le mec aimbot. Et si jamais, les gars, vous avez des petits clips comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer de préférence sur YouTube. Et si possible, avec une meilleure qualité, genre au moins un petit peu sketchier. Parce que là, franchement, la qualité de la vidéo était vraiment pas terrible. Mais il y avait des trucs intéressants à prendre, donc on le prend. Et lui, clairement, il triche à mort. Pour
pour le 8ème cas, les gars, j'ai reçu un mail du coup d'un TikToker, enfin pour un TikToker. Apparemment, c'est le nouveau réseau social préféré des tricheurs. On m'a pas envoyé un clip, mais carrément la chaîne d'un mec. Je me suis interrogé vite fait, les gars, en regardant ce clip là. Parce que je trouvais vraiment le mec chaud bouillant. Des slides de partout, un aim très bon, super serré. Il joue avec le colis, vraiment putain de clip, très beau. Et ensuite, j'ai commencé à défiler et tout. Et je me disais, putain, c'est bizarre, c'est que le mec avant était sur PC, lui il était sur console. En fait, c'est que je suis trop con. C'est que le premier mec, c'est TTV0, c'est marqué à gauche TTV0, qui est un streamer qui fait des clips TikTok où le mec est chaud bouillant. Et du coup, ça, c'est les clips de la personne du coup qui nous intéresse. Alors, est-ce que celui qui m'a envoyé le clip, comme moi, a fait l'erreur de croire que c'était le mec qui jouait alors que c'était un riposte? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que cette personne-là, déjà, elle joue sur console. Elle a visiblement pas l'air de tricher. On va voir si elle a du recul avec ses armes. Ça monte quand même pas mal en l'air. Ça a pas beaucoup de recul non plus. C'est quoi l'arme? C'est quoi l'arme? J'ai même pas reconnu. J'ai pas l'impression qu'il triche, les gars. Vraiment pas du tout. Il a même pas un niveau excellent, je trouve. Là, on peut voir, il a beaucoup de balles. On voit les mecs à travers le mur parce que c'est éclair de combat, les gars, bien sûr. Mais non, le mec pour moi ne triche absolument pas. Un beau petit clip ici. Là, au goulag, il a son arme glitchée. Voilà, avec des modou pour Activision. Le mec est bien sur console. Pour moi, le gars ne triche pas du tout. Hein. Pour moi, le gars ne triche pas. Waouh! Là, il m'assiste au code. C'est vraiment n'importe quoi. Il voyait même pas le deuxième mec. Il prend tellement son temps, non, et puis on peut voir quand il tire sa balle, il y a un minimum de recul, donc il a même pas de chronus ou quoi, le mec est legit, hein. Je comprends pas pourquoi on l'a accusé, entre guillemets, de triche, mais le mec est full legit. On va essayer de regarder d'autres clips pour voir si je suis passé à côté de quelque chose. Il peut jouer au snipe, il prend énormément de temps avant de tirer, donc ça touche. Là, il a une arme qui a beaucoup de recul. Il voit le mec à travers le mur, donc forcément il le tue à travers. C'est vrai que normalement là, je crois que son arme, elle a pas mal de recul. Logiquement, il a pas trop l'air d'en avoir beaucoup. Mais franchement, mis à part ça, puis là, le mec se fait raise, donc logiquement il tire au même endroit. C'est peut-être ça qui a alerté la personne qui m'a envoyé le mail. Mais non, pour moi, le mec triche pas. Hein. Sur console, t'as niveau cheat, t'es un peu limité, hein, on va dire. Hein, donc t'es un petit peu limité. J'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de recul. Mais bon, Warzone, c'est pas des armes qui ont forcément beaucoup de recul. Ça, c'est une arme qui bouge pas. La seule chose où on peut peut-être le suspecter, c'est de pas avoir de recul. Mais franchement, moi j'ai l'impression qu'il en a aussi. Donc non, pour moi, le gars est full legit, hein, il met des clips. C'est des beaux clips, hein. Mais c'est des clips normaux pour moi. Y a rien de folichon. Oh, il a mis la collate là, pas mal. Je comprends pas trop pourquoi s'interroger sur ce mec là. Pour moi, il est legit. Là, pour ce 9ème cas, les gars, on m'a envoyé une chaîne américaine, Daily Warzone Moments, un peu les best of Warzone en France, mais chez eux. Donc, il y a beaucoup plus de vues. Et c'est pas la première fois qu'il y a des mecs qui trichent dans leur best of. Donc, là, on va checker ça de plus près. Ah, c'est ce clip-là. C'est Diaz Beeple, hein. C'est un mec qui est ultra connu. Je l'avais pas vu avant. C'est un mec qui est ultra connu, qui fait partie de la League Squad, qui fait tous les tournois possibles. Sûrement l'un des meilleurs joueurs Warzone au monde. Donc, déjà, faut le préciser. J'avais déjà vu le clip, hein. Il les a explosés. Le couteau a touché, ouais. Le couteau a touché, je m'en souvenais. Le clip est juste insane, les gars. Et ouais, du coup, il me disait que c'était le recul à l'OTS qui lui paraissait bizarre, mais on tire la M2, donc j'ai pas trop compris. On va se le remettre, hein, les gars. Ça, c'est des mecs qui se font accuser tous les jours de triche. Les mecs de la New Squad, très très forts. Je vais apprendre que c'est les meilleurs les meilleurs, hein. Franchement, les mecs sont très très forts. Son arme bouge pas, mais c'est parce qu'il la contrôle à la perfection. Et en plus de ça, il joue sur PC avec le FOV activé à 120. Donc ça joue. Par contre, le couteau de lancer, les gars, il est grandiose. Et ça, un mec qui triche ce genre de couteau de lancer, il le fera jamais, les gars. Regardez comment il est incroyable. Le clip est vraiment fou, hein, pour le coup. Et non, le mec triche pas. On a affaire à quand même un top streamer américain. Et croyez-moi, les gars, je sais qu'il y a beaucoup de complotistes qui pensent que les top streamers ils trichent. Quand il y a un mec qui triche dans un tournoi parmi beaucoup de joueurs, le mec se fait cramer en une soirée. C'est déjà arrivé plein de fois. Les mecs qui sont là tout le temps les mêmes, vous inquiétez pas, ils sont legit. Même si les complotistes ont toujours des doutes. Si les mecs perdurent dans le temps, c'est pas pour rien. Bon, les gars, le 10ème cas, je le montre quand même dans la vidéo, mais je vais en faire une vidéo vraiment particulière parce que c'est le plus gros cheater de tous les temps. Donc, je vous montre un petit peu. Je sais pas dans quel ordre sortiront les vidéos, si vous la verrez avant ou pas. Mais franchement, pour ceux qui vont visionner cette vidéo uniquement, il faut voir ce clip-là, enfin, ces clips-là. Le mec a 400 DFOV. Il voit tout le monde à travers le mur. Il a le aimbot le plus cheaté que j'ai vu de ma vie. Le mec a la VSAT activée comme s'il y avait une vraie VSAT. Bien évidemment, on recall, silent aim, tout ce qui s'ensuit. Et il y a plein de trucs que j'ai pas vu, notamment le fait de voir le stuff, les coffres à travers le mur. Ça, je l'avais jamais vu auparavant. Ça, ce mec là, j'ai fait une vidéo intégrale dessus. Donc j'espère que... Abonnez-vous, les gars, pour pas louper, ça sera plus simple. J'espère que vous la verrez, parce que franchement, même moi j'étais choqué. Je vous montre un court extrait pour vous teaser un petit peu, mais franchement, vous êtes pas prêts, les gars, parce que franchement, c'était n'importe quoi. Le mec avait carrément des trucs qui étaient pas dans le jeu. Bref, c'est juste fou. «
Bon, j'ai comme l'impression qu'il se fait tard, les gars. Il fait déjà nuit, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit like. Comme d'habitude, j'ai pris extrêmement plaisir à vous faire cette vidéo. Ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de réaction de Pierre Cheater. On va essayer d'en faire plus souvent parce que malheureusement, sur Caldera, il y en a de plus en plus. Vraiment malheureusement, parce que Ricochet fonctionne pas du tout. Mais j'espère que vous avez quand même kiffé. Si c'est le cas, pensez au petit like. On s'est fixé 3500 likes comme objectif. Et je vous promets, les gars, que si on pète les 3500 likes comme objectif, je vous ferai du coup l'épisode 22 ou 23. Je sais même plus à combien on en est. Et pour les plus fidèles d'entre vous qui ont maté l'intégralité de la vidéo, pensez à mettre le petit commentaire. Vous pouvez écrire cheater en majuscule, comme ça je vois les vrais fidèles comme toi qui a la vidéo jusqu'au bout. Et pour ceux qui ont des clips de cheater à m'envoyer, wz.punkill@gmail.com, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer des clips pour la prochaine vidéo, si possible en HD, si possible upload sur YouTube en non répertorié, ça serait vraiment le top. Bref, nous les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. C'était Punkill, ciao tout le monde. T'as beau shooter, cheater, moi c'est Punkill. J'ai capté ton viseur, tu veux bluff qui? On s'est quitté, tu devrais quitter. Si t'es équipé, tu m'auras presque. J'ai spammé ton écran, j'ai cramé tous tes plans, t'as streamé tout le clan Apex. Oui, je flex, j'ai mon équipe, rien que ça taf, je monétise. Pour mon écurie, un like.